Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur AFK Journée. Et aujourd'hui on va aborder le premier guide sur le royaume onirique, on va parler du roi crapaud. Je vais essayer de vous faire un guide sur le royaume onirique tous les jours pour chaque boss, comme ça, bien, ce sera fait et vous n'aurez plus besoin de trop réfléchir pour passer les différents boss du royaume onirique. Il faut savoir que le royaume onirique c'est un contenu entre guillemets early, mid, late game, puisque plus vous allez battre les boss, plus vous allez augmenter en difficulté, plus ça va être compliqué et plus il va falloir améliorer vos personnages. Il faut savoir que chaque boss a son gameplay bien différent et qu'il va surtout changer de pattern en fonction de votre placement et des personnages que vous utilisez. Attention, je m'explique. Par exemple, pour ce boss Roi Crapaud, si vous utilisez un tank de mêlée, eh bien le boss va privilégier les attaques de mêlée et quelques fois des attaques à distance. Bien évidemment, il y aura toujours une attaque qui va vous one-shot. Il me semble que c'est une attaque, c'est une bulle magique qui va one-shot l'un de vos personnages lorsque vous avancez dans le combat. Et en fait, il va prendre en compte, le premier personnage qu'il voit. Donc, le personnage qui est tout devant pour l'instant. Donc, si vous utilisez un tank de mêlée comme Thoran, il va privilégier les attaques de mêlée. Si vous utilisez un tank comme Smoky peut servir de tank sur ce boss-là, eh bien, ça va être un tank à distance, donc il va privilégier les attaques à distance. Donc, en fait, par rapport au personnage que vous allez mettre tout devant, la team va changer. Donc, je vais, du coup, vous parler de deux teams dans ces deux cas de figure-là. Donc là, pour le coup, on va utiliser cette équipe pour le moment. On va utiliser Smoky, Audi, Marily, Thoran et Kruger. Pourquoi on va utiliser ces personnages-là, vous allez me dire. Dans cette équipe-là, on va avoir besoin d'un tank mêlée ou alors d'un tank à distance en fonction de l'équipe que vous utilisez. Un personnage qui va être DPS, donc là, dans ce cas-là, Audi et Marily, Kruger un petit peu. On va avoir besoin d'un buffer, donc c'est parfait. Smoky est là pour buffer. Un debuffer, c'est parfait. Kruger est là pour debuff aussi l'adversaire, et d'un healer, c'est parfait, Smoky utilise une fonction de heal. Pour moi, le meilleur tank que vous pouvez utiliser sur ce mode de jeu-là, ça va être Thoran sans aucune alternative. C'est Thoran, point barre. Vous pouvez utiliser d'autres persos, mais ils seront vraiment pas viables, parce qu'il me semble que Thoran, de mémoire, il offre du debuff, et je crois qu'il counter la bulle de l'adversaire, quand il veut essayer de vous insta-kill. Donc ça peut être plutôt intéressant, puisqu'en fait, bah, je sais pas si vous savez, mais lorsque Thoran meurt, eh bien il revit. Alors peut-être que Brutus peut être une solution, parce que je sais qu'il fait ça aussi. Du coup, ça vous permet de gagner du temps. Ensuite, en tank, en range, vous allez pouvoir utiliser Smoky ou Ewin. Voilà, ça dépendra de votre box. Ensuite, en tant que debuffer, vous allez pouvoir utiliser Reiner ou Kruger, qui va être pour moi les deux meilleurs personnages du jeu. Sinon vous avez Thoran aussi qui peut servir de debuffer, mais bon, Thoran on l'utilise déjà en tant que tank, donc on va utiliser plutôt Kruger ou Reiner. Kruger lui va mettre pas mal de debuffs, hein, pour surtout augmenter les pourcentages de dégâts physiques et de dégâts physiques tout simplement. Il va prendre, vous allez break def et aussi augmenter les dégâts physiques que va prendre l'adversaire. Et aussi vous avez la possibilité si jamais d'utiliser Lika et Coco, qui vont être aussi des debuffers. Et aussi, vous avez, si jamais vous n'avez pas du tout ces personnages-là, vous pouvez utiliser Carolina, Walker, Cassidy et Fai. Mais bon, moi, je vous conseille fortement d'utiliser soit Reiner, soit Kruger. Pour moi, c'est les meilleurs persos dans la section debuffers. Ensuite, dans la section buffer, on va avoir Smoky, qui va être là pour buff, heal, et voilà, c'est déjà pas mal. Il va vous permettre d'obtenir 20% d'attaque supplémentaire, de la speed et surtout du heal. Sinon, vous pouvez utiliser aussi Lika, hein, ou Rohan. Voilà, Rohan qui est ici. Ou alors Lika, qui va être un autre personnage. Là, vraiment, je parle vraiment de personnages qui peuvent vraiment être possibles de jouer. Vous avez aussi Cassidy, qui peut être jouable dans certains cas. Je ne l'ai pas, donc ça tombe mal. Damian, qui peut être jouable aussi. Et pour finir, notre ami Coco. Coco, qui est toujours là, toujours présent. Donc ça, c'est des personnages qui sont possibles de jouer. Vous pouvez aussi jouer Fai et Win, Parisa et Reiner, mais bon, là, dans ces cas-là, on est vraiment sur des teams qui vont pas trop faire l'affaire au début de jeu. Mais c'est des possibilités, c'est des solutions. Ensuite, en healer, bah, c'est parfait, on peut garder notre Smoky qui fait un petit peu double job, double casquette, puisqu'il va servir de healer ainsi que de buffer. Et pour finir, en DPS, on va jouer Audi et Marily. Le truc, c'est qu'avec Audi et Marily, eh bien, ils vont être forcément plus forts lorsque vous allez
avoir plus de doublons sur ces personnages-là. Donc c'est pour ça que je vous suggère fortement d'aller chercher des doublons de Audi dans le shop Emporium pour la boutique de Royaume Onirique et des doublons de Marily et des doublons d'Audi dans votre wishlist. Sinon, vous avez Corinne qui peut être possiblement jouable aussi dans votre team. Et sinon, vous avez des alternatives comme Cessia, Riz, Vala, Brayon, Cassidy et Walker. Mais bon, ça va être en fonction, bien évidemment, de votre box. Je pense qu'au départ, ça pourrait être potentiellement intéressant que je joue, par exemple, que j'enlève Marily et que je mette Cessia. Comme ça, j'ai le buff de mort-vivant et le buff de bête, ce qui peut grandement m'avantager pour commencer. Ensuite, en artefact, ça dépend. Ça dépend des artefacts. Je pense qu'en artefact, il faut chercher un maximum de DPS, hein, très clairement. Donc, je pense que ici, le sort de confinement peut être jouable. On peut essayer d'aller chercher aussi le sort d'immunisation pour la vitesse d'attaque. Aussi, vous pouvez essayer de jouer ça aussi, qui va permettre aux ennemis de réduire leur vitesse d'attaque. Mais bon, je pense pas que ça soit dingue. Et sinon, bah, forcément, le sort de réveil qui donne de l'attaque, de la def mage et de la def physique. C'est toujours bon à prendre, ça vous permet de tanker un peu plus fort. Et sinon, pour finir, le sort d'embrasement qui vous donne plus de dégâts. Donc le sort d'embrasement, franchement, je trouve que c'est le meilleur pour ce genre de boss-là, pour vraiment infliger plus de dégâts. Et c'est peut-être ces petits dégâts-là qui vont changer la donne. Et puis, vous avez pour ce boss-là en particulier la possibilité, du coup, de anéantir la fameuse bulle là, que va envoyer la bulle magique que va envoyer le boss grâce à Thoran. Donc quelles sont les teams un petit peu méta du moment sur ce boss là? Vous avez la possibilité de jouer Kruger qui est ici, Smokey et pour finir Smokey qu'on va mettre ici, Thoran juste là, Marily et Audi. Alors vous pouvez jouer Cessia à la place de Marily si vous voulez, mais pour moi late game ça va être une des meilleures teams à jouer dans le Royaume Onirique Roi de Crapaud. Sinon, vous avez la deuxième équipe, comme je vous disais, qui va utiliser cette fois-ci un tank de range. Vous allez pouvoir utiliser Smokey. En deuxième, derrière Thoran, pour justement le fameux counter debuffer et le counter bulle magique. Vous allez pouvoir jouer Audi. Pour finir, Marily et Reiner. Reiner, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il sera, je crois, faut que je vérifie, mais c'est, je crois que lorsqu'il sera Mythique Plus, eh bien, vous allez pouvoir augmenter les dégâts que va prendre le boss à hauteur de 25%. Ce qui est vraiment pas mal parce que ça va proc en fait sur tous les sorts. Tandis que Kruger, ça proc seulement sur les dégâts physiques. Donc voilà, parce que je crois qu'il fait des dégâts magiques au 10, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous devez voir en fonction de ça. Et donc là, on pourrait tester le combat. J'ai jamais essayé encore. On voit un petit peu ce que ça donne. Mais Reiner, vraiment très bon debuffer, Smokey qui va être là pour heal et buff attack, Marily pour les dégâts, Thoran pour tank et Void bubble attack et Leody qui va être là pour faire les dégâts. Donc on va tester, on regarde un petit peu ce que ça donne en termes de dégâts. Je crois que j'ai fait 30 ou 40% avec mon autre team. Mais là, le Reiner n'est pas optimisé vu que on n'a pas le passif Mythique Plus qui permet d'obtenir 25% de dégâts supplémentaires. Vous voyez que là pour l'instant on tient le coup, vous avez vu qu'il privilégie pas mal les attaques à distance, donc c'est pour ça que le healer est là. Bon là il a mangé mon Thoran, voilà. Donc c'est ça, c'est la fameuse bulle magique qui va one shot, voilà, je vous ai dit ça one shot, il n'y a pas à chercher. Mais vous voyez que là avec cette team j'ai fait plus de dégâts avec cette équipe pour l'instant, 60% la bulle magique qui one shot comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que nos DPS ils sont à l'arrière, c'est pour qu'ils jouent tout simplement, pour qu'ils se fassent tuer en dernier. Donc là on a fait 65% de dégâts, c'est vraiment pas dégueu pour le coup. Donc vous avez vu un petit peu comment faire pour jouer cette équipe. Et du coup la deuxième équipe que je vous disais, c'était du coup avec Kruger. Donc on va essayer de jouer l'équipe là. Donc on va jouer Kruger, Cessia. Alors du coup on va peut-être pas jouer Audi vu qu'il fait des dégâts magiques. Hein, si on regarde un petit peu, vous avez vu que ses sorts, si je dis pas de bêtises, hein, ça fait des dégâts magiques. Hein. Ça fait des dégâts sur le poison. Je sais pas si c'est... Pour moi il fait des dégâts magiques mais... Ouais c'est assez écrit magique, c'est écrit juste au-dessus, si je savais lire. Donc Marily qui va elle faire des dégâts du coup physiques et qui va être beaucoup plus forte en compagnie de Kruger. Donc Kruger qui est là, besoin de un doublon, pas besoin d'énormément de doublons sur le perso. Smokey du coup qu'on va utiliser pour cette équipe en compagnie du coup de Marily et de Cessia. Ici, on peut jouer soit l'embrasement, soit la vitesse d'attaque. On va rester sur, du coup, ce sort-là. On gagne de la pénétration de def, de la def physique
plus 10%, et de la def magique, plus 6%. Après, je pense que la vitesse d'attaque, ça peut être sympatoche en vrai. À tester, pour l'instant, on va rester là-dessus. Ok, on est parti, on va tester cette équipe pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour moi, c'est clairement les meilleurs personnages à utiliser sur le roi des crapauds. Donc on a fait, je crois, 60% sur le boss de tout à l'heure, avec 2,6 millions de dégâts. Donc là, je joue Cessia à la place de Audi parce que ma Cessia est suprême. Donc pour moi, je me dis qu'elle fera énormément de dégâts. Le Smoky qui a une large zone de heal et de buff attaque, ce qui permet du coup de buff aussi. Eh bien, notre ami, je sais plus comment il s'appelle, l'invocation. Hein. Donc là, on est déjà à 50%. Les dégâts, ça proc assez rapidement. Là, on break def. Donc là, le break def qui est proqué. On se prend toujours les bulles. Et donc là, vous voyez, mon Thoran est mort. Mon Thoran est mort, donc il a dû se prendre la bulle de... Il a dû se prendre la bulle du boss. 74%, 75%, 80%. On va peut-être pouvoir le... Ah, Kruger est tombé. Là, il va focus au Smoky. Normalement, il devrait focus au Smoky le boss. Ok. Ah, peut-être Marilys qui est celle qui est plus en avant. Ok, là, focus Marilys, c'est bien ce que je pensais. On a toujours le heal et le buff attack. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Smoky qui va tomber. Ah non, mais là, il m'a one-shot carrément. Ah non, c'est la fin du temps. Fin du temps. Ok, donc là, on manque un petit peu de dégâts. Mais vous avez vu qu'on a fait 90% de damage. On va regarder les graphiques un petit peu. Bon, la Cessia qui a clairement détruit le game. Hein. Il faut savoir que Marilly et. Comment il s'appelle ? Audi, etc., etc. sont vraiment puissants lorsqu'ils seront Mythic Plus pour avoir leur équipement exclusif. Sinon, bah, pour l'instant, si vous n'avez pas du coup ces personnages-là DPS bien montés, jouez d'autres personnages que vous avez montés en termes de DPS qui sont bien améliorés de votre côté pour essayer de venir à bout de ce boss. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Aujourd'hui concernant le boss du royaume onirique, sinon je vous mettrai en lien le site Prideon que j'utilise énormément pour vous permettre de vous faire des guides sur le jeu. C'est vraiment une mine, une ressource d'informations assez précieuse pour vraiment venir à bout des différents contenus du jeu. Donc je vous mettrai bien évidemment les liens en description. N'hésitez pas aussi à télécharger le jeu AFK Journée via mon lien d'affiliation, ça m'aide énormément et ça soutient la chaîne. On se dit à la prochaine, je vous dis ciao et prenez soin de vous. Ce fut un plaisir.